TF Jean-Louis. Alors ça lit pas sous point qui est sous table là, non, mais et moi vérité a éclaté. Bon voice. Oui, vérité a éclaté. Et Fou Jean-Louis qui est actuellement, donc selon voice là, il est en République dominicaine, la pension. Première fois moi nèg prend balle. Première fois moi nèg prend balle, pas les monde comme ça. Comme si c'est dans condition ou prendre la balle. Ah oui, monsieur dit monsieur voit 5 balles. 5 balles. 5 balles. Que balle pour qu'a sorti dans non comme monsieur jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ouais. Ça veut dire ça qu'a été là, c'est pas question. Et moi monsieur mouri. Oui. Sous ta baille ça. Ouais, là la prendre nous. C'est l'information de ce matin. Confirmé par matin débat. Alors information dans ce premier temps, d'après quelques fusillés, lui était attaqué par des bandits au niveau du centre-ville. Mais c'est tout autre chose, hein. Mm-hmm. C'est tout autre chose. Donc, voice qui a circulé sur les réseaux sociaux, il confirmait que fusillés, lui, était en négociation avec chef de gang qui est dans Grand Ravine avec Village de Dieu. Mm-hmm. Respectivement, Bougoy et Tilapli. Et les Tilapli finissent apprendre que tu as porté quoi par Tikris là. Bon, madame, monsieur, nous connaissons que Gain, il y a une bataille. Il y a une entre Tikris là et Tilapli et Bougoy. Ok? Donc, Bougoy avec Tilapli, c'est deux amis. Mais il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas de coller sérieux avec Tikris là. Ok? Maintenant, il se trouve que selon voice là, il t'a raconté que Fujian lui, tu as rencontré avec Chris là. Négociation sur question de lever barricade, sur question et gérer quartier populaire. Il a fisté. Il t'a barré encore donc à Chris là, selon voice là. Ensuite là, joint Tilapli. Eh bien, équipe Tilapli a, étant donné qu'il n'y a pas bien avec Chris là, il a reproché Fujian lui du fait que il a financé Chris là contre yo. Et que comme Chris a gagné un mail pour l'attaquer yo, c'est d'accord que pouvoir, ou du moins ce que Fujian lui t'a apporté, bah yo. Et bien, dans ce sens là, et puis, je dis, monsieur nous mal accueilli chef là, il a dit, va faire chef. Selon voice là, t'il a pris taré les Bougoy. Bougoy t'a dit t'il a pris ba monsieur en leçon ou pas besoin touille. Ou pas besoin touyel. Ouais, pas touyel. OK, selon voice là. Et que la donne à partir de voice là, et ben de là et Fujian lui t'a va recevoir yon cartouche de 9 mm que t'il a pris aller sous lui, c'est t'il a pris personnellement fusillé monsieur dans épaule. Dans épaule. Première balle là. Première balle là. Et monsieur saute tombé. Et puis ensuite, il y a deux autres soldats qui ba monsieur deux balles. Au niveau de hanche et puis yon au niveau de ventre on va voir. C'est pas principe, Bocotte. Maintenant, c'est en présence chauffeur. Fujian Louis, qui est toute base, ça t'a passé. Monsieur dit chauffeur, nous pas tout yé ou. C'est pour retourner pour la porte de nouvelles là. Mais monsieur, fouillé machine, non. Il prend tout ça que t'es dans la machine. Non? Alors, comme que Fritz t'a supposé porter bail. L'autre base. L'autre base. Donc, dans le cadre de. Bataille ouais qu'il a battu en appel. Ok, c'est les habitués. Ok. Donc selon voice là, Fujian lui t'as actuellement donc ce domaine et appréhension que Cali nécessité. C'est ça pratiquement madame monsieur. Haïti. L'information et bagage ça qui s'est passé c'est que les mamans Fujian lui viennent apprendre que petit prend balle, Maki mouri, maman saute tomber le mouri lui-même. Ok. Donc Fujian lui pas même assisté à finir un moment. Ok, donc c'est ça pratiquement la base. Ok. Je ne vais pas entrer maman tout le temps, je ne sais pas là. Monsieur Gendo a fait quitter le cadavre là jusqu'à ce qu'il campe. Bah, en termes, beaucoup fait, non? C'est beaucoup fait. En termes, fait, Isaïe. Non. Maman, en termes, fait. Tête chargée. En termes, fait des billets. Et monsieur, c'est le même actuellement à l'hôpital. Ma pompe billet là, très bientôt, je m'en ai pas dit Joseph, peut en billet moins, mal mené enquête, mal parlé à monsieur, par exemple, monsieur, explique exactement, bah, nation, exactement, quand elle prend balle. Mais dans les conditions qu'elle prend balle. C'est très important. Monsieur peuple là, la dépêche matin, auditeur, auditrice matin, il y a besoin qu'on ait, population, besoin qu'on ait exactement. À partir de voice, ça cap circulaire là, fuck Fritz Jean-Louis. Ok? Fritz Jean-Louis, expliquez exactement, comme ancien ministre, ok? Comme moun qui proche président Jovenel Moïse, comment elle fait prendre balle. Dans quelles conditions elle prend balle yo? Parce que l'important, pas qu'il reste là. On va se dire bouche, tu vas venir nous information ça. Mais non, mais c'est important quand même. Oui, d'accord, on ne regarde pas la veille. C'est important. Donc ça veut dire que je dis là. La vraie version est pas dans bouche, tu vas venir. Si on a fait d'État. Ok, ça qui a passé là, c'est affaire d'État. D'État. Ça qui concerne. Affaire d'État. Non, mais ça, ça, ils ont dit. Non, c'est ministre. Ou qu'on ait responsabilité de la PHTK dans le pouvoir. Dans le pouvoir. Parce que papa, je non. Ça qui vient. Oui, c'est Goubaï. Alors, l'échelle. Alors, l'opre.
et ceux qui étaient là-dedans. Et au moment d'appeler nous, monsieur, c'est purement qui était gain responsabilité. Et je dis à pour ça une fête. Ah non, ça va pas passer comme une merde. C'est vrai, c'est clair. OK? Non, c'est clair. Non, débat, nous même nous clair dans ça. Ça c'est grave. Nous aller loin à dossier ça pour nous connaître exactement ce qui passe. Il y a des modes job, monsieur. Et l'école, imaginez maman payer l'école, vous et moi, c'est vous, ça me va bien travailler. Ah bon, allez, où non, mais c'est un choix. L'homme a fait son choix. Monsieur, il y a un choix. Son job lié. Elle a un pouvoir, c'est pouvoir qu'il a, c'est des bagages, c'est lui-même qui le travaille. Non, mais écoutez, dans la fonction que la prend, il faut y aller. Mais c'est pouvoir, c'est le pouvoir, les gars. Pouvoir, les pouvoirs, mon frère. Restaurant, a fêté, a dansé. Et on a qu'on arrive même, c'est pas parlé. Et nous avons une chance. Et rendre visite également. Donc, au député, Chauzer Chancy, l'ancien président de la Chambre des députés. Et qui lui-même, il y a 2 mois, depuis que il a bloqué Henry. Alors, c'est parce que le pas de cas rentré pour le passer barricade. Bien entendu. Pour le dépasser barricade, il a pas non laissé frapper, non négociation. Donc Joseph était préféré rester là Kaili et vivre avec paysan puisque il y a des monde qui longtemps que le pachita parle avec eux. Alors même si que il sait pas par commune ça, mais c'est peut-être chaque week-end il a une chance monter pour la passer son titan Henry. Mais pays là fait que il retourne la Kaili, il fait pratiquement donc 2 mois donc avec mon Henry. De passer au bon moment, et là quand même, et Gonaïve, nous te ressourcent, et la grande question, et qui n'en bouge tout le monde, pour combien de temps que le pays a, en fait, ti moment calme ça, c'est pour combien de temps que là? Est-ce que vous n'avez pas bloqué encore demain matin? Est-ce que Baïkadio n'a pas monté encore demain matin? Bon, en tout cas, c'est la question, en tout cas. Nous comptons avec vous matin, nous allons analyser. Et nous allons analyser et nous allons garder donc conjoncture là, politique là, nous allons garder ce qui a passé dans le pays, ce qui va passer dans la semaine là. La grande question de ce matin, parce que nous recevons un pile appel que nous avons dit, loco, ça qu'a fait. Ok. Et je voulais parler opposition et anti-Jean Fébac. Donc, ça qu'a fait. Qui ça qu'a fait? Bon, nous allons garder ça ensemble matin. Hein. Même en disant que notre Dieu, il y a déjà un nouveau conseil d'administration pour la Banque Nationale de Crédit. Okay? Il y a déjà un nouveau conseil d'administration pour la Banque Nationale de Crédit. Et il y a M. Raoul Pierre-Louis, c'est lui-même qui vient président conseil d'administration de la BNC, M. Raoul Pierre-Louis. Il y a donc également donc, M. Guy-Marie Cazeneuve qui vient vice-président. Et puis Madame Miss Monde Jean, directrice générale, Madame Marlène Civil, membre, et puis Lionel Guillaume, c'est membre. En tout cas, ça c'est l'information en matin débat. Un nouveau conseil d'administration pour la Banque Nationale de Crédit. Et Monsieur Raoul Pierre-Louis, il vient président, conseil Banque Nationale de Crédit. Monsieur Guy-Marie Cazeneuve, vice-président, et conseil d'administration Banque Nationale de Crédit. Et puis il y a Madame Miss Monde Jean qui vient directrice générale. Et puis Madame Marlène Civil et Lionel Guillaume. Donc ça c'est information et nous en primeur. Bien entendu, et ça il va passer dans le point que nous allons développer sous table. Nous t'assurons que nous avons information ça. Alors mon qui t'a posé question et qui le conseil d'administration Banque Centrale Banque Nationale de Crédit a changé. Et bien c'est ça l'information. Donc il y a Monsieur Raoul Pierre-Louis qui vient président du conseil d'administration de la Banque Nationale de Crédit et puis Monsieur Guy-Marie Cazeneuve vice-président. Et puis Madame Miss Mondejean qui vient directrice générale. Et puis Madame Marlène Civil qui vient membre. Et puis Lionel Le Guillaume. Ok, là, parce que. Et monde qui, justement, qui travaille dans la Banque Nationale de Crédit, les employés, n'a connaît désormais donc qui est-ce qui fait partie du conseil d'administration. Ok, je dis à ce lundi, vraiment, il y en a dit, tout le monde espérait que l'école d'abouvé matin. Bien entendu, après que qu'on focus qui mettait là. Et tous les secteurs, ok, tous les secteurs. Et à demander pour l'école là ouvrir. Est-ce que semaine ça et n'a pas capable de chance et je viens dans l'école qui ouvrir porte li. Et bien entendu il y a des dispositions qu'a prend à ce niveau du côté du corps m'gadi et éducatif. Donc il y a des directeurs d'école qui commencent à réunir avec les professeurs yo et il y a des secteurs également yo même tout qui
a pas encouragé donc le directeur de l'école pour capable ouvrir l'école là. Mais pas oublier et c'est dans qui condition l'école ça va réouvrir. Dans qui condition? Parce que là pas oublier que on en situation d'insécurité. OK, en plein les gazam bâtiment dans la rue. Et bon, bah connait et il faut que vraiment faut gagner de gros dispositions. Et si nous allons dans la dynamique, ça, pas oublier ici en matin débat, nous te dit que pour l'école là retourner, ouvrir porte normalement, nous allons jusqu'à février 2020. Et ça nous te dit ici en matin débat. Ok? Et m'espérer que il y a des efforts qu'a fait pour au moins pour ce mois de décembre, pour l'école t'a ouvert dans le pays. Ok? Et puis à partir du janvier 2020, laisse à tout le parent connaître que bon, petit tu vas à l'école. Ma seconde dépassement qui vous faites, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté de certains secteurs, il y a même qui frustré. Ok, parce que il y a des gens qui frustré. Ah ben, madame, monsieur, quelle est l'école là? Et il y a des parents là, même si l'école était fonctionnelle normalement depuis octobre, il n'y a pas capable de vous étimer dans l'école. Il faut nous clair sur ça. Oui, parce que il y a des parents qui pour que j'aime qu'après un canet, petit yo, dans l'école depuis l'année dernière, voir que j'avais un moyen de canet ça pour d'avoir été dans l'école. Il y a des parents qui étaient déjà pour gamer, donc pour petit yo à l'école en janvier. Ok? Mais je pense que vraiment, faut nous assurer que ça ne va pas le faire, faut qu'il fasse bien. Parce que, il n'y a aucun parent là qui a pas voué petit dans la rue, et puis pour mal arriver. Ok? Donc, moi, c'est là vraiment très important. En tout cas, on va regarder pour nous. Est-ce que semaine ça, il y a de nouvelles dispositions qu'on prend, au moins pour gagner l'école pratiquement, donc côté pourquoi gagner l'école. Alors on a appris que il y a l'école pratiquement dans le pays, l'école ouvre porte dans le pays, dans quelques zones, depuis octobre, il a fonctionné normalement. Et comme le Nord-Est par exemple, à Wanamet par exemple, l'école fonctionnelle. Ok? Et depuis octobre, il n'y a pas jamais campé. Il y a plusieurs côtés dans le pays que l'école fonctionnait. En tout cas, on va voir. Ok. Et je continue ça, monsieur. Et je suis l'exilor qui fait griffer. Et permettez à tous. Gon vidéo de yon paquet de crabe. Ok, alors on a mis une enquête ici en matin débat sous vidéo ça. C'est que des gens qui gagnent des informations, donc sous vidéo ça. Alors, les gens qui voulaient bon, me demander qui côté dans le pays a que ça arrivait, ils te disent que c'est un monde qui voulait le bal et tout. Alors, on a cherché information sous vidéo ça. Les gens qui gagnent information sous vidéo, ok, une vidéo qui montrait. On paquet de crabes en main. Bon, on trouve une vidéo ça, bien entendu. C'est sur même là, on va regarder là avec Josué. Ok? Il y a une vidéo qui montre un paquet de crabes en main. Ok? Et un paquet de crabes. Vraiment, c'est un paquet de crabes. Donc, nous-mêmes, dans le matin de débat, on a cherché information donc, sous et vidéo ça. Donc, si il y a des gens qui connaissent, en fait, qui voient vidéo là, et qui gagnent vidéo là, qui connaissent exactement. Dans quelle zone que ça arrive, on ne peut pas dire que nous avons besoin d'informations sur lui. Et justement, c'est parce que il est capable de signer un coureur. Oui, il est capable de signer un coureur. Et crabe, vous regardez, là, puis matin, tout ce n'est pas crabe et l'eau douce. C'est crabe blanc, parce que crabe l'eau douce, ça, il est noir. Oui, différentes couleurs. Marron blanc. Oui, marron blanc, ça dit que c'est crabe blanc. Moi, je ne peux pas masser. Oui, mais justement, je ne peux pas masser. Vous avez fait que je besoin de connaître. Et les gens qui ont des informations sur crabe, ça, sur vidéo, ça, donc. Bah, ici, t'es communiqué, donc, à l'émission Matin Débat. José, bonjour. Bonjour, Loco. Bonjour, Pierre Martin. Bonjour, toutes super branchées. Émission Matin Débat, yo. Et nous connaissons en pile qui est déjà connecté, nous. Et à travers toute ville dans le pays, mais tout à travers diaspora haïtienne qui est partout à travers le monde. Nous saluons tout le monde. Nous saluons super branchées, mais tout technicien qui eux-mêmes mobilisé pour arriver permettre que l'émission ça arrive sur vous. Nous saluons tout staff administratif et radio éclair là, radio télé éclair et vraiment qui eux-mêmes a dégagé aux pieds et mains pour permettre que eh ben et institution ça a été campé malgré en pile difficulté qui gagne dans la rien et nous saluer tout eh ben tout entrepreneur petit entrepreneur et moyen et puis grand qui a essayé goumer pour kembe et pour permettre que il aurait été en vie malgré la situation
est vraiment difficile en Haïti par rapport à la crise sociopolitique, mais tout économique qui a brassé le pays hein, depuis quelque temps. Et je dis là, je dis là, j'ai l'impression que et bon, c'est même pas une impression, c'est un fait et que rien ne marche à travers tout pays, hein, quel que soit côté passé, ou j'ai l'impression que c'est monde qui a goumé pour essayer continuer à respirer, mais en termes de vie, pas rien la vie, hein, pas rien la vie, ou dans blackout, ou dans saleté, et ou dans toute, ou dans insécurité.